prophétise la réussite de mes enfants. Je prophétise la réussite de mon foyer. Je prophétise la réussite dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Jérusalem, la pierre est hantée.
pouvoir dire merci au Seigneur pour ma présence ici. De Lyon, il est. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais essayer de parler un peu. Le Seigneur fait la remesse pour une prochaine formation. Tu vas m'accompagner. Je vais te rendre gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Je sais pas chanter un verset, c'est un peu. J'aime beaucoup le groupe musical, merci ma fille, tu nous as vraiment lancé. Tu as béni. Amen. Tu as béni aussi, tu as béni. Le groupe musical est béni. Amen. Le prophète a dit hier, l'aigle était là. Et quoi pas de l'aigle. L'œil de l'aigle, il a parlé.
même hier. J'ai vu ce que j'ai vu. C'est pourquoi j'ai demandé au pasteur, je veux tout voir. J'ai dit, va acheter une bouteille d'olive. Elle est allée dans un supermarché. Elle est venue avec une bouteille d'olive. J'ai prié sur la bouteille. Et j'ai commencé à verser l'huile par terre. En prononçant les paroles. Vous savez? Ok, ça je n'en parle pas. Pendant que je versais l'huile, je commençais à parler. Et je lui ai dit, madame, il y a un monsieur, un tonton que tu connais. Le tonton, là, je suis en train de voir qu'il est ami au ministre que tu veux voir. Et lui. Alléluia. J'ai dit, mais tu allais voir le tonton, tu lui as demandé de t'accompagner chez le ministre. Le tonton t'a dit, le projet que tu as tellement grand que il va être responsable de ce projet au Burkina. Elle dit oui. Et tu as refusé. Elle dit oui. J'ai dit, mais quand je l'ai fini de verser la bouteille, lui, va à la maison. Le soir, le tonton lui-même va t'appeler. Il va te prendre à sa voiture, il va t'amener chez le ministre à domicile. Oh yeah! Qui t'a dit tout ça? J'ai pas répondu. Je verse l'huile, j'ai fini de verser l'huile, j'ai fini de prier. Elle dit, tu m'as même imposé la main. Je lui parle à la maison. Dieu a derrière de cette prière. La dame va à la maison devant Dieu. Le soir, son téléphone sonne. Le monsieur appelle. Hey, ma fille, viens rapidement chez moi. Au Burkina, tout le monde a moto. Et là, c'est pas beaucoup à la moto. Elle prend sa moto, elle part chez le monsieur garde la moto, monte dans ma voiture. Le monsieur la prend dans sa voiture et il la mène chez le ministre à domicile, dans la maison du ministre. Oh yes. Et le monsieur le dit au ministre, c'est ma fille, elle a un grand projet, elle va t'expliquer. La fille explique au ministre le projet, le ministre est là, puis sa vie a fini, on a besoin des femmes comme vous au Burkina ici. Le ministre met son hockey et il dit le lendemain. Il passe au téléphone, l'appelle et dit non, dans tel bureau tu vas, demain ils vont donner tel papier. Le lendemain, la dame va, elle a tous les dossiers. Elle appelle un Américain et son père. Elle vient, je dors le dos dans le logis. Elle se met en genoux, elle commence à pleurer. Elle dit, mais ça fait un an que je vais rencontrer le ministre, je n'ai pas pu. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'une seule parole, tu ne m'as même pas touché, tu as versé lui par terre. Et tu as commencé à parler. Après avoir parlé, ce que tu as dit est arrivé, homme de Dieu. J'ai dit oui. Quand j'étais en Israël, quand je suis monté à Jérusalem, j'ai fait 3 jours, je n'avais pas dormi la nuit. J'avais insomnie, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et ma femme me disait prie. Alors j'ai fait 3 jours, je ne dormais pas, je priais. Mais le 3e jour, j'ai vu un ange qui m'est apparu dans la chambre où j'étais couché. Et l'ange m'a regardé et m'a dit, je te bénis. Va, quand tu vas répartir en Côte d'Ivoire, toute personne que tu vas bénir sera bénie. Alléluia. Alors depuis mon retour, je regarde. Mais quand je dis à quelqu'un, tu es béni, je lui dis demain, tu auras une bénédiction le lendemain. J'ai prié pour une dame qui a envoyé sa fille qui était folle. C'était le mois passé. J'ai prié, la fille était agitée, l'a emmenée attachée, j'ai prié. Et allez, elle s'est retrouvée. J'ai dit à la dame, mais je suis en train de voir. Que les sorciers qui ont lancé la maladie, la folie là, elle est guérie. Ils ont dit, moi j'ai entendu une voix qui m'a dit, et bon, lancer aujourd'hui, est combien? La date d'aujourd'hui? Le 22. Je dis, je suis en train de voir en décembre, le 22 décembre, et bon, lancer encore la folie. La fille va avoir encore la folie le 22 décembre. Mais dès qu'elle a la folie, tu m'appelles, parce que c'est la fin de ce problème. Ce matin à 6h, j'étais encore couché, mon téléphone sonne. Je décroche, alors mon Dieu! C'est moi, ce que tu as dit à ma fille. Il faut lui la prise sur la tête, c'est déshabillé encore. Et sorte la poussée dans les quartiers. J'ai dit, maman, je suis fatigué, il n'est pas parti. J'ai envoyé un de mes fils qui est parti. Il a prié pour la jeune dame. Elle s'est retrouvée. Et s'est télévisé comme ça. J'étais la maman après, j'ai appelé, elle a dit, je suis en train de. Avant qu'on entre dans la nouvelle année, il y a 3 personnes de ta famille qui vont mourir. C'est eux qui ont lancé la pluie à ta fille. Mais c'est pas de ma faute, c'est ce que Dieu a mis à moi. Excusez-moi.
Tu sais, j'ai fini par comprendre que même si dans ta famille, ta mère, même si ta mère est pauvre, c'est pas de ta faute qu'elle soit pauvre. Yes. C'est pas toi qui as demandé à ta mère d'être pauvre. Même si ton père est pauvre, c'est pas toi qui as demandé à ton père d'être pauvre. Non, c'est pas de ta faute. Yes. Mais ce qui est ça, c'est que toi tu es né pour enlever la pauvreté dans ta famille. Y en todo lo poja, y en la
où la dame est décédée. On nous appelle, nous entrons dans la cour. Tout le monde est assis pour la réunion, parfois au funérail, la vieille. Sa fille qui pleure, elle dit entrez. Même si Dieu ne l'a pas ramenée en vie, mais allez-y au moins voir le corps. Nous entrons dans la chambre, la vieille. La vieille est couchée toute seule. Tout le monde dehors. Les gens sont en train de faire derrière les réunions. Qu'est-ce qu'ils vont tuer comme bœufs? Combien de moutons? Et comment les funérailles vont se passer? Donc vous regardez le corps. Je demande à la fille, ma fille, est-ce que tu crois que l'Éternel peut ramener ta mère en vie? Elle dit, homme de Dieu, je vous ai appelé, c'est vrai, mais elle a dit, à moi tout. On s'est mis en genoux, on a commencé à prier. Pendant qu'on priait, maman, ouvre les yeux. La mère ouvre les yeux. Hey. La fille a commencé à aller en arrière. Yes. Elle a cogné la porte, elle m'a oublié. Elle dit, nous, yes. Je vous attends au salon. Je dis non, nous tous sommes dans la chambre. La mère de la chambre, nous tous dans la chambre. La femme la trame sur elle. Elle a dit, je ne vais pas aller pisser. Je dis non, aujourd'hui on pisse plus. Aujourd'hui d'abord on ne pisse pas. On a commencé à prier. Attrapez les mains, la vieille maman. Assieds-toi. La femme se redresse et s'assoit. Elle nous regarde. Elle est étonnée. Elle regarde voir sa fille. Sa fille pleure. La fille a déjà lui tenu la porte et est sortie. Au moment où nous entrons à taper la vieille pour dire maman, lève-toi, la vieille a préservé la vieille. Elle est sortie depuis dehors. Les gens la regardent sortir. Elle ne dit pas moi à quelqu'un qui a dépassé la cour. Elle a la sortie et puis elle regarde les gens qui la regardent. Maman, tu peux marcher? Elle dit oui, fais un pas, fais un pas, fais deux pas, maman marche. La vieille a commencé à marcher. On est derrière la vieille devant. Je vous dis en vérité. La vieille a mis les pieds sur la terrasse dehors. Tout le monde a fui la cour. C'est ce jour-là, il y a vu qu'un vieux laisse tomber sa canne et puis court. Les vieux ont pris la canne. Tout le monde fuit la cour. Les gens sont doués, puis ça regarde. C'est les agneaux. Mais il y a un vieux qui est là. Coigné. Coigné. Il appelle Coigné son frère. Coigné. Coigné. Il dit, attrape-moi. Quoi l'attraper? Il dit, faut me dire ses rêves. Ouais, ça, faut même pas lui dire sa vérité. Il dit, faut me dire ses rêves. Son fils dit, ah, va, toi, c'est un autre son habitude. C'est la vieille. Ce jour-là, il dit, pas. Que le Dieu te nous envoie. Donc, j'aime rendre mon dernier témoignage. Excusez-moi pour ce témoignage, mais. Je suis à Divo en mission, je suis venu à Bidjan pour quelque chose. Et je vais repartir sur Divo. Et j'ai pris un médicament chinois. Que j'ai bu. Et chinois aussi. Il ne m'a pas dit médicament, ça c'est pour le ventre. J'ai bu le truc, je suis allé prendre car. Car de 70 places. Je suis dans les cars. Il y a les braqueurs sur la route. Les braqueurs là, ils sont maintenant intelligents. Ils envoient un gars qui prend le car. Maintenant arrivé là où ses amis sont dit, non chauffeur, je ne vais aller au baiser. Quand le chauffeur gars vient braquer le car. Quand le chauffeur, les gros gars disent maintenant, si on démarre la gare d'Abidjan, faut faire tout à mettre à la gare. On arrive en route, ça va pas. Je ne vais pas dire, mais si il prend son pain, il va lui voir c'est un braqueur. Je suis assis. Faire imaginer la suite. Mon voisin qui est assis à ma droite et à ma gauche, les deux hommes, moi ça m'énerve. Je vois que le chauffeur, même, malgré ses efforts, il ne filme même pas. Dans mon cœur, il dit, si on m'a donné le casson, elle a dépassé tout ici. Là. Des choses sur moi. Le bishop transpire. Une transpiration bishoptique. Bon. Non, aujourd'hui, maintenant, le témoignage en souriant. Mais hier,
Je souriais pas. J'étais dans toute la consécration divine. Oh. Oh. Je suis là, j'ai vu tout mon sang. Là, c'est plus bon. Là, là, c'est plus bon. Ben, dessus, t'es bon, moi, les pieds sur mon lit. Hein. Là, c'est un pasteur. C'est un pasteur. C'est lui qui peut faire tout ça. Je me suis concentré, j'ai fermé les yeux fort. J'ai pas pu ouvrir la bouche parce que là, je ne peux plus parler. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu me vois. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner, mais tu vas te manifester. J'ai gardé les yeux fermés pendant au moins 3-5 minutes. J'ouvre deuxièmement les yeux, je suis là, comme un petit oiseau orphelin. Mes deux mains sur mon cœur pour que Dieu me voie bien. Dans le car. Quelques minutes après, je vois le car qui se ramasse à droite. Le chauffeur commence à ralentir. Le moteur est coupé. Le chauffeur gare. Il y a une voix qui me dit, il faut parler. Il dit à Prati, est-ce que je peux? Il faut partir. Il n'y a pas terminé. Il faut partir. Oh, faut voir les bichons en train de sauter. Direct dans les airs. Chauffeur et puis apprenti sous le feu du car, ils sont allés chercher la panne. Depuis son chercher la panne, moi je suis là-bas. Mais là, c'était chaud, donc il a duré. Il y a un monsieur dans le car qui était assis au fond du car. Il était bien. C'était mis debout. Voilà, je peux.